la terre là. Il a fait descendre pour retrouver les participants. Là, il faudrait semer les radis. Thomas, va voir ce qu'ils font, les gars, là, pour les presser un peu. Va voir ce qu'ils font, là, les gars. Ils arrivent. Allez, Thomas, prépare-toi à la relève. D'un boulot, toi. C'est comme ça que sont bâtis des pyramides. Hein. Mais moi, j'ai travaillé avant d'être facteur, j'ai travaillé 2 ans dans une carrière. Hein. On faisait tout à la main, hein, la pierre bâtie. Tout à la main. Hein. Bien sûr. Ah. Et bien, quand on arrivait sur un chantier avec 6 mètres de pierre, et que à Haussegor, Capreton, et que le chantier était vide, qu'il n'y avait plus personne, 6 mètres de pierre le soir, quand vous êtes fatigué, ben. Là, tu as une scène du tonnerre. Alors, nous en sommes à la 11e année de travail et nous nous apercevons chaque jour que le travail n'est pas fini. Il nous reste encore beaucoup à faire. Mais l'espoir ne nous a pas quittés et nous savons que tous les gens, tous les ans, le nombre des visiteurs devient de plus en plus important. Et nous avons des centaines de visiteurs qui s'enthousiasment sur notre vieux château, en particulier sur cette enceinte du XIIIe siècle, le mur des Lusignans, qui fait la gloire de notre château. Notre espoir, c'est que le nombre des visiteurs augmente encore et que nous puissions, dans les tours qui ont été rénovées, présenter les caractères de cette architecture. Vous y êtes pour quelque chose, vous y avez travaillé cette année, vos camarades y ont travaillé les années précédentes, Jean-Pierre nous a aidés depuis le début du chantier, et nous espérons que vous reviendrez encore, puisque certains d'entre vous l'ont promis, et que nos deux petites Norvégiennes qui l'autre jour nous ont quittés en pleurant, ouais. N'est-ce pas, ouais. Elles nous ont quittés en pleurant, et elles ont presque pris leur billet de retour. Je pense que toi aussi, hein, tu l'as bien connu, nous. Hein, et bien, tu te retrouves avec plaisir ici. Et bien, c'est ce que nous souhaitons. Et à l'année prochaine. Allez-y. Alors, comme cette année, vous avez
un chef d'équipe qui est un gentil garçon blond. Il va vous présenter, à tour de rôle, tous ces ouvriers. Ce ne sont pas des ouvriers de la 11e heure quand même. Hein. Ce sont des ouvriers qui, déjà, commencent à avoir des mains qu'à l'œil. Allez, Nicolas, à toi de jouer. Alors, nous avons Christine, qui vient de Hongrie, qui fait partie d'une école d'architecture. Barint, petit fiancé, qui fait aussi partie de l'école d'architecture. Il y a le queue, hollandais. Thomas, qui vient depuis, ça fait 5 ans qu'il vient. Oui. Henriette, hongroise aussi. Wayne, hongroise aussi également. Luigi, qui vient depuis 7 ou 8 ans. Camille, française. Jean-Pierre, qui parle français aussi. Frédéric, français aussi. William, qui est venu il y a 2 ans, c'est ça, aussi. Johanna, qui est polonaise, qui est une très grande dessinatrice. Célie, française, qui a déjà fait un chantier à Tucson. Lucille, notre tailleuse de pierre, française. Et ça, Luc, qui est déjà venu aussi il y a 2 ans, c'est ça. Et Erika, qui est aussi la 5e hongroise, qui est aussi partie de l'école d'architecture. Voilà notre groupe très sympathique. Voilà, c'est bien. Nicolas, nous ne nous présentons pas, il se présente lui-même. Voilà.